donc. Oui, avec beaucoup de messages comme celui de Lena. Ça fait des mois, nous dit-elle, que nous cherchons à acheter avec mon mari, mais les taux n'arrêtent pas de monter. Jusqu'où Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir aujourd'hui Fanny Wegscheider, on en parle avec vous parce que c'est vrai qu'on pourrait atteindre les 4%. Cet oui. été, ça paraît fou quand on était à moins de 1% il y a 18 mois. Comment est-ce possible bien, Tout ça, c'est la résultante d'une réaction en chaîne, on va le voir, avec des taux d'emprunt immobilier donc, qui augmentent aujourd'hui à cause tout d'abord de l'inflation. Il y a un peu plus d'un an maintenant, en 2022, notamment avec la guerre en Ukraine. En conséquence, eh bien, la BCE, la Banque Centrale Européenne, la banque de nos banques, a engagé en 2022 une hausse de ces taux directeurs, euh, donc pour euh, pour euh, freiner cette hausse des prix et rien qu'en 2023 cette année, on en est déjà à la sixième hausse hein, de ces taux directeurs de la BCE. Conséquence, ça coûte très cher à nos banques donc d'emprunter à la BCE et donc elle répercute ces hausses de taux mécaniquement euh, à nous euh, les clients euh, finaux, ce qui augmente donc les taux euh, d'emprunt. Un autre effet qui a également amplifié cette hausse des taux, c'est le taux d'usure. On en parle régulièrement sur cette antenne. L'augmentation depuis de nombreux mois de ce taux d'usure, qui est le taux maximum euh, au-delà duquel une voilà tout compris au-delà duquel une banque ne peut pas prêter, ces eh taux ont augmenté. Depuis euh, ce début du mois de mai, la barre dépasse symboliquement les 4% pour tous les prêts de plus de 10 ans, avec donc la possibilité, selon les experts, d'atteindre 4,70% à 4,90% d'ici le 1er juillet sur les prêts de longue durée. Donc on voit que ce n'est pas fini pour cette augmentation donc, des taux d'usure qui pourrait donc par conséquent également augmenter encore plus les taux d'emprunt de, pour nous à la banque. Les résultats pour les emprunteurs, on le voit, la c'est que le plus souvent, ceux qui ont la chance de pouvoir emprunter doivent réduire les surfaces à mmh. en hein, demander à l'achat, donc moins 23 mètres carrés pour le prix moyen en France. Et s'ils ont la chance, en effet, d'avoir ces prêts, puisque un chiffre très parlant, on le voit, le nombre de prêts immobiliers qui ont été accordés rien que cette dernière année ont baissé de moins 40,6%. Et du coup, ça bloque tout le marché. On mmh. peut aller jusqu'où comme ça on peut aller encore loin, parce qu'il y a, vous le disiez, à 14 à 15 mois encore, le taux de crédit immobilier tournait autour de 1%. On était à 1,2% en janvier 2022. On est passé en octobre 2022 à 2%. Aujourd'hui, on oscille entre 3 et 4% selon les banques. Les experts du secteur, eux, ne prévoient pas de baisse. Au contraire, ils prévoient cet été qu'on pourrait atteindre les 4% pour les prêts sur 25 ans, voire même 20 ans. Une hausse donc jamais vue depuis 11 ans maintenant. Et pour certains, une hausse même entre 4,5 et 5% est possible également. Mais concrètement, ce, qui, ce que ça va donner, c'est hausse de, de taux, c'est une baisse ben, de la capacité d'emprunt des, des acheteurs avec un taux qui, donc l'année dernière, autour de 1% permettait d'emprunter pour un couple qui gagne 4200 euros par mois à peu près 300 000 euros. Aujourd'hui, on le voit, enfin, même cet été, quand on va atteindre les 4%, eh bien, ce couple de, de, de personnes ne pourra donc pas emprunter plus de 228 000 personnes, une perte donc de pouvoir d'achat colossal, hein, moins 72 000 euros, on le voit en à peine un an. Parce que les prix, eux, ne baissent toujours pas. Merci Fanny. On parle papier d'identité à présent.